Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant hippique pour les radios La 16.fr, Radio Dani, Radio Agora, Radio Pays Occitanie et Radio Puissance Max. Je reviens brièvement sur notre caté de ce lundi 20 juillet, encore un caté de plat, pas si facile que cela à trouver. Ma troisième et quatrième base sont là et après trois autres chevaux sont venus s'intercaler. Ce sont les courses de place, ça arrive. Par contre, dimanche, je n'avais pas eu le temps de mettre mon pronostic sur ma chaîne YouTube, mais il était bien sur mon blog. Et j'avais pronostiqué le tiercé et le quartet dans l'ordre en seulement 5 chevaux. Pas mal, belle performance. Alors pour notre mardi 21 juillet, jour de la fête nationale des Belges, s'il y a quelques amis belges qui sont sur ma chaîne, bonne fête à eux. Nous allons nous rendre sur l'hippodrome de Vichy, dans la Réunion 1, course 1, sur la distance de 2400 mètres. Là encore, ça va être un quintet qui va être pratiquement introuvable, hein. J'ai fait ma sélection, mais ça va pas être facile du tout à trouver. Voilà. Donc, le 7 Wing Power, ce sera mon cheval du jour pour ce quintet, très régulier. Il vient de gagner sa course. Si cela se passe bien, il a encore sa place à l'arrivée de ce quartier. Donc, une très très bonne chance. Le 15, Liberté Absolue, mon opposition directe à mon cheval du jour, elle vient de bien courir à Nantes. De course dans les jambes, elle aussi a sa place dans le quartier, sans incident bien sûr. Après, c'est le parcours qui va décider. Le 11, Rusigny, ce sera ma troisième base pour ce quartier. La distance n'a pas de problème pour lui. Attention à ce cheval pour une très très bonne place. Le 1, Farouk, ma quatrième base pour ce quartier. Il vient de prouver sa forme. Il peut ambitionner pardon, la quatrième, voire la cinquième place. Le 2, Wood City, cheval très régulier dans l'ensemble, peut venir jouer les trouble-fêtes et terminer dans le quartier avec une cote sympa. Le 2, le 9, pardon, Moko, cheval, qui se donne toujours à fond pour une bonne place dans le quartier. Le 4, Morning Five, mon coup de folie pour ce quartier, dépend d'une écurie redoutable, très très grosse méfiance. Je termine par le 14, Secret Square, mon coup de poker pour ce quartier. Il peut venir accrocher une belle place à une très très belle cote. En cas de non partant, le 10. Mon cheval du jour, le 7. Mes deux coups sûrs, le 7, le 15. Mon coup de folie, le 4. Mon coup de poker, le 14. Mon coup de cœur, le 1. Mes 2 sur 4, 7, 15, 11. Mes couplets placés, 7, 15, 11, As. Je répète ma sélection. Le 7. Le 15, le 11, le 1, le 2, le 9, le 4 et le 14. Merci à vous toutes et à vous tous d'être de plus en plus nombreux à venir sur ma chaîne YouTube, même si le 14, bon, c'est pas si facile que cela donnait. Tiens, c'est dans l'ordre, carte est dans l'ordre dimanche, c'est pas mal. Après, voilà, c'est les aléas de la course hein, qui font que. En tout cas, continuez à prendre bien soin de vous. Hein. Le Covid-19 continue toujours sa petite route, donc faites attention. Bien sûr, cette vidéo est toujours faite de mon lieu de travail, hein, pendant encore un très très moment. Voilà. Et après, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures avec Squall, l'Ensois, le Pharaon, des courses.